Télévision en direct et à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mardi 20 juillet 2021. Nous avons proposé une deuxième numéro. Il y a libre débat pour la poste Oyo. Toute l'équipe, Topé Sibino, merci. Merveille Van Goudazako, supervisé. Yango, breaking news pour Nalelo, c'est vrai. Triste nouvelle, mais aussi, les nouvelles, il y a Malam ou Penza Penzate, Otozuna Tongo Nalelo, Matata Ponyo Mapon, Aza empoisonné. Alors, Yemokonde a tweeté Yango ce matin, ça fait une heure depuis que APC information on a sur son état de santé. Alors, lui, exactement, c'est si je cite à tous les Congolais citoyens du monde, c'est bien dommage pour ce qui nous est arrivé. Les résultats préliminaires du test indiquent que nous avons été empoisonnés. Union des prières et merci pour tout votre soutien. Matata Ponyo Mapon, information confirmée, relayée par chargé de communication Naye Floride Zantoto. YP a publié en haut la page Facebook Naye. Et voilà que Natongo Yalelo, ma commentaire, Ezakoya, na Bassens Nyoso Tokozo. La information, il y a empoisonnement, il y a ancien premier ministre Matata Ponyo Mapon. Hommage officiel à cardinal Laurent Mosengo Pasigna et à Lelo, président de la République. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a co-décoré chancelier, il y a ordre national, et voilà, donc cérémonie, et que ça les malélo, n'a pas les du peuple. Jacques Ndala, Zalissouna, NRT, a transféré na parquet, il y a Matete, on les a liba information, Otozui, et de sources judiciaires, procureur, a co se prononcer les lots pour na sornaye, koye, ben est-ce que prison ou pas prison, et koye, ben na lélo, il est poursuivi pour tentative de rébellion, et trouble à l'ordre public selon ma source judiciaire. Donc les Londés et sort il y a Jacinda là sur le plan judiciaire et Koyebana. Et pendant ce temps, vous voyez que le lundi, Bandeko y a ensemble parti politique et Sika Jacinda Laza responsable et à jeunesse, ensemble et Moïse Katumbi, menace qui encore une fois, salue la déclaration pour Nako Boya interpellation Oyo ya Jacinda là. Logiciel Pegasus, Tolobela Kiango, Lobby, Moussala Nango, Eza, co-espionner contenu, yaba téléphone, yaba tout. Et principalement, yaba journaliste, acteur politique, pays, yaba militant, activiste, y'a droit de l'homme. Eza, une invention, y'a service de renseignement israélien, bangonde, inventé yango, une entreprise, une société israélienne, de basali yango, et bazote kele yango, exclusivement, état, mboka. Alors, parmi une dizaine, yaba mboka, ou basomba, justement, logiciel, wana, biso en Afrique, Rwanda, za pointé. Or, na Rwanda, lobito, le belaki yango, selon l'enquête au consortium international des journalistes Basali, Njoka, Rwanda tango asombi logiciel Wana, yeolé espionné batu ya Rwanda, Rwanda zo espionné batu ya Kinshasa. Alors par une batu Wana, ba numéro ya trois personnalités congolaises et s'est retrouvé justement na kati ya liste Wana, ya Rwanda, espionnage ya Rwanda. Kombo liboso, Lambert Mende Omalanga, ancien ministre de la communication, et média. Deuxième combo numéro, il y a téléphone, Oezakuna, Ezali, il y a Mdeko, Albert Yuma, Oezali, Mokondi, il y a FEC, Fédération d'entreprise, il y a Congo. Et troisième combo, Oebaouti, qu'on retrouvait Kuna, Ezali, il y a Jean Bamanissa, Oezali, gouverneur, il y a Ituri. Voilà comment la situation s'est présentée. Balobi, Babanda, qui a espionné Bango, surtout, Ezaki Makasi, dans la période de la crise électorale de Zaki Nango, il y a 2018, Nde, et Sika espionnage, Wana, il y a Rwanda et Bandi. Alors, selon ma commentaire, et journaliste, on a un consortium international, et des journalistes, Balobi, le Rwanda, Azana, Bapron, pratiquement, voisin, et nous, sur la région, à Grand Lac, il se présente comme un partenaire pas sérieux, qui ne respecte pas les règles. Il y a amitié, et si Kabazali n'a pas mis à l'autorité, et là, on y va mon téléphone à Albert Mende, et là, on y va Zoua, la téléphone, il y a Albert Yuma, toi, il y a Manissa, parce que le logiciel, on a Pegasus, Moussa Nango, et Zoko, et vous avez un message, Nayo. Aucun téléphone, aucun athé, on dit ma yes, on dit ma thé, et comme on a ba photo, et comme on a ba image, et comme on a ba email na yo, nyonso. Voilà, oyo, tokoko loba, et je crois que, sécurité, service d'intelligence, PMBO Cannabiso,
et c'est que vraiment pas travailler ma casier parce que ce qui est longo dans ma personnalité mais côté de ma personnalité nous sommes ma chef de corps et les autres c'est que mon capitaine tout le temps pour la poler le macassier et Rosala très dangereux quand on a des voisins au à tout moment sentiment toujours à espionner Ezali UNPC information Ezali le 14h des installations officielles, il y a un nouveau comité directeur, il y a ville province, il y a Kinshasa, et que ça le Malélon à 14h, on a siège, il y a UNPC, avenue de la presse, Sima, il y a même link, na Botou, Rwanda, voilà, ici qu'il y a siège à UNPC Zali, tous les journalistes bazar invités, Rwanda sur place, pour l'installation, il y a Jean-Marie Kassamba et toute l'équipe au Bako dirigé. UNPC et Kinshasa. Voilà les quelques informations. Oyo Tozaki Nango en breaking news. Na tongo na lelo pona kopé sanabino. Ya wana Alain Bolojoa, Zanabiso Elongo. Ya Zali Mukambia les battes. Donc, levons-nous et bâtissons. Oyo Zali structure politique en la République démocratique du Congo. Ndeko Mbote. Mbote Ndeko Langaï, Mbote Nabalandi. En tout cas, merci pour l'opportunité et félicitations pour la chaîne. Merci. Na profité pena saluer co-débatteur dans la Mkolo. Voilà, Tozana Cédric Moudiantou, Yazali Mokweba cadre na AVC, autre vision du Congo, membre ya Union Sacrée de la Nation de Komoudiantou Mbote. Mbote Mingi Ndeko Jacques, Natondio Mingi, na PCP Mbote na président à autre vision du Congo, Maître Didier Boudimbo, oyo na Olik ya Kolanda Biso. Na PCP Mbote na Bayike ba Kolanda Biso pe na équipe technique, mais surtout na co-débatteur na ngande ko Bolojoa. Voilà, les autres invités pourront nous rejoindre d'un moment à l'autre na plateau. Voilà, de Kobolo Joao, est-ce qu'il y a un commentaire à faire par rapport au logiciel Pegasus où finalement, Tomoni Misala Nango dans la région, ainsi qu'à Tosali avec notre voisin le Rwanda. Bon, en tout cas, c'est une chose à la directe. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris, ce n'est pas la première fois. Tout ça, l'objet, il y a des gens, il y a des pratiques, voilà. Il vous souviendra tant aux Aïki n'a pas période, il y a télécel. Déjà télécel, les Aïki n'a serveur. Au niveau à Rwanda, il y avait beaucoup d'informations. Et ben d'écouler facilement. C'est ce qui a justifié même l'avancée rapide. Il y a AFDEL. Parce que tout ce que nous tournons comme ça, là, comme plan stratégique et opérationnel, déjà à ce niveau-là, le Rwanda était informé. Tout le monde qui s'amuse la capacité à côté à service à Bissau et d'avoir des informations et nous au Bissau il faut de ça il faut de ça marquer na ba stratégie pour la contrer Bango ou sinon faire passer des fausses informations afin que toi atteignes l'objectif dans les États ils allaient mais si à catholique qui bat télémi tant on peut parler au côté après bah fandi bat télémi non il allait combat. Quand je vois ceux qui prétendent être à la tête du pays, la légèreté avec laquelle va traiter avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est tout un système. Oui, ça l'a mis au-delà de la frontière, au-delà de la limite, il y a Rwanda. Le Rwanda, c'est tout un réseau. Bazali, la vision, la bango, ils allaient clair, Laurent Désiré Kabila, le bango, la vision à Imatouchi. Ils ont besoin de maîtriser le Congo. Il y a côté Kabila, la position à faiblesse. Afin que Bango va atteindre la vérité dans Bango expansionniste. Ce qui veut dire qu'ils prennent tout leur temps. Il y a qu'à réfléchir comment nous pénétrer et comment nous fragiliser. Mais de l'autre côté, ceux qui apparaissent Batoué à côté d'Abiso, comme si le Rwanda c'était un pays ami. Et pourtant, le Rwanda a des vérités qui sont connues de tout le monde. Et fort malheureusement, ça va carangoter. Souvenez-vous, il y a quelques années, Angela Merkel et puis la reine chancelière allemande. Allez là car effectivement par rapport à ma téléphone la personne qui va me causer des informations. C'est ça le monde. Nous sommes en conflit. Il y a des intérêts. La communauté internationale elle allait juste une juxtaposition d'intérêts et chaque pays allant à pour ça a joué de l'ancrage à maîtriser l'autre. Pour la simplifier l'analyse on peut dire ceci. Tout aller dans la catégorie à Banyama, ou tout le monde qui est Banyama ou Balia Kamisuni. Tout ça, la catégorie à Banyama ou Balia Kamatiti. Comme nous, à Otikala, Nyama ou Balia Kamatiti. Or, pour que Banyama ou Balia Kamisuni va survivre, il faut que Balia, pas si n'y a pas un pays comme le Rwanda, a ça qu'on brimé Bissou, a ça qu'on maté Bissou, a ça qu'on apprivoisé Bissou pendant des années, et fort malheureusement, ceux qui prétendent être au pouvoir, n'arrivent pas à intégrer ça dans leur tête.
Alors, et ça pose problème. C'est Doug Moudiantou. Est-ce que le défi est qu'on modernise le service d'intelligence et la République démocratique du Congo? Apparemment, on a un voisin qui n'est pas à la distraction. Le Rwanda est là. Et logiciel au Pegasus, bah, outil qu'on découvre, yango, et Kalamingite, on en parle, Kalamingite, mais Rwanda mis à l'élanango, déjà pendant ma période, ils étaient très sensibles dans le cannabis. Est-ce que tu as mesuré Mounen et Likambo Tozanen? Heureusement que nous avons maintenant un ministère du numérique. Je pense que bah, ko satellite na donné wana makasi. Au moins ndeko Jacques ndenge ndeko Bolodja pour une première fois d'ailleurs de ma vie, je suis d'accord avec lui. Toza na monde politique ou encore diplomatique, tout ce que vous voulez, na benga kango sur le plan économique comme un marché d'oligo concurrence. Tango RDC azo kanisa que et Fingeli Atikala Yakula là sur le plan technologique ou encore sur le reste de plan, alors que Baninga Bazo émerge au point même il faut mettre sécurité dans l'histoire mal, parce qu'avec une telle infiltration, avant qu'il n'a évoqué intérêt ni ni oyo, peut-être Bango Bakwe Kozanango ya espionné ma personnalité wana, je me dis Ndengo Lobakine Bandeliso qui est s'étendre notamment dans le service Nabiso à militaire, à sécurité et tout ça. Vous voyez que nous sommes un pays qui vit dans les vides. Tozotambola polele ndenge lobaki. Nous n'avons pas un secret. Alors que nous aussi, parce que la politique c'est un rapport de force, nous ne pouvons pas empêcher à l'adversaire politique dans la théorie des jeux de mettre en place une stratégie. C'est à nous de savoir aussi mettre une stratégie. N'habitez sur stratégie, n'habitez pas sur la stratégie. Parce que ça aussi, c'est dans les systèmes de jeux, c'est reconnu. Puisque dans le système de jeux, c'est reconnu. Betara Bongo. Alors, tout le monde a toujours qu'on a la piétiner par ceux qui ont un système de jeu efficace qui concourt effectivement à leurs intérêts. Ça vaut une interpellation avec cette découverte. Naba institution en général ou encore naba système spécifique que j'ai cité ici, les ministères du numérique, d'essayer un peu de rehausser les niveaux pour essayer franchement de faire face à cette situation. Alors, Jimmy Kitenge à région d'Abisso, cadre de PPRD. Alors, Jimmy Kitenge, justement, tout seul le logiciel Pegasus en breaking news avant tout côté en matière d'Abisso et Lelo. Et na monde parmi les États au bas équipé dans le logiciel wana, Rwanda, Azanayango et consortium international de journalistes s'est confirmé que na espionnage il y a Rwanda parce que rôle il y a logiciel et ça justement côté la contenir le téléphone. Alors, Bisso, Rwanda, Zo espionné, Batuna Bisso, Batangi Lambert Mende, Albert Yuma, Bamanissa, gouverneur ya Ituri. Est-ce que nous avons, la RDC, un comportement conséquent vis-à-vis de nos voisins Bisso, le Rwanda, pendant que chef de l'État, Zobengaye, mon frère, mon ami, et est-ce que nous avons un comportement conséquent, Bolodja, le dit au groupe, que ça va nous espionner Bisso, au nom, il y a vie internationale, mais est-ce que tout ça conséquent que nous avons un voisin, ou est-ce un peu curieux, est-ce un peu dans ma canisme sous par rapport à Bisso? Merci, Ndeko Jacques, pour la moutouna na yo. Je salue le co-débatteur sur le plateau d'ailleurs. On a un arrêté à Moboulimbici parce que on a 24 Boébi qui est officiel, nous sommes qui est vers le Parlement pour nous attendre à Papa Cardinal. Mais il faudrait d'abord interroger l'histoire de notre pays, l'histoire de la sous-région, il y a Grand Lac. Il y avait un conflit entre la France et les États-Unis pour contrôler la sous-région. Conséquence, c'est qu'il y a une opération turquoise au Rwanda. Et le Rwanda a vendu ce côté-là, il y a massacre, il y a tout ce au niveau international pour qu'on va bénéficier na appui, na solidarité à monde. Imaginez un peu ce qui s'est passé au Rwanda, il y a eu 800 000 morts. Mais il y a pratiquement deux ou trois films hollywoodiens tournés juste pour la massacre à Rwanda. Et les États-Unis se sont portés garants, la parrain à Rwanda. Il est tout à fait normal que Rwanda possède le logiciel. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'a pas de moyens. Mais le Rwanda bénéficie des appuis budgétaires des États-Unis chaque année. Service de la sécurité a réformé. Les Américains ont des moyens. C'est comme l'Égypte aujourd'hui. L'Égypte pour que ba contrôler le tunnel les Palestiniens sont armés pour attaquer Israël. L'Égypte a bénéficié de 1 milliard de dollars chaque année de la part de l'armée, pas l'Égypte, mais l'armée égyptienne bénéficie d'un milliard de dollars chaque année de la part des États-Unis pour les aider. Il est tout à fait normal que l'Égypte et l'Oisala meilleure armée en Afrique. Donc, Rwanda bénéficie énormément. Mais ils sont des problèmes, la vie. Nous n'avons pas assez vendu nos 8 millions de morts. Tout ça, juste dans le conflit interne, au lieu de s'expliquer dans le monde que
Rwanda a bénéficié de ba moyens. Rwanda a qui auteur. Il y a 8 millions de morts en Abisso. Kagame, c'est l'ennemi public numéro 1 de Congolais. Mais ce qui est grave. Cette faiblesse, c'est un marketing congolais, justement. Voilà, ce qui est grave, vous verrez que l'autorité a mboka en Abisso, avec autant de légèreté, l'ennemi public numéro 1 de Congolais. Parce qu'il y a un bail à bras ouvert, mon ami, mon frère. Et on déroule même le tapis rouge à Kagame devant ses victimes. Devant ma victime, il y a une goma. Pendant qu'en amont, il devait d'abord présenter des excuses. En amont, il fallait qu'il y ait une justice pour condamner Batouana. Vous verrez que dans un pays comme le nôtre, l'ambassadeur du Rwanda Kariga peut nous narguer ici à Kinshasa. Pendant qu'il est en train de manger le pondu produit par les mamans, les femmes de militaires qui sont au camp Kokolo, mais pas femmes de militaires Rwanda. Parce que Rwanda a imposé une guerre. Ça veut dire qu'il y a nécessité d'une prise de conscience. Il y a même Moïse Laurent Désiré Kabila en son temps. Abanda côté à Congolais sur cette prise de conscience. Moïse Laurent Désiré Kabila, nous devons nous prendre en charge. Moïse Laurent Désiré Kabila, dénoncer cet état de choses. Raison pour laquelle Baboumaé. Joseph Kabila a pris le flambeau. Pour le flambeau de pèlerin, pour expliquer dans le monde. Que nous avons des agressions dont le sous-bassement c'est les États-Unis, le sous-bassement c'est tous ces impérialistes. Oh, en fin de compte, bah, mais le loyo, pour 5 millions de dollars, l'actuel régime, Pessi, Kagame, donc Pessi fait vert à Yakoubouma, d'une manière officielle, parce qu'en Obumao, d'une manière officielle. Merci. Évidemment, c'est vrai, empoisonnement, il y a Matata Ponyo, Cédric Moudiantou, vous êtes parmi ceux qui ont réagi différemment. L'information, Anna, tu peux placer un mot peut-être en avant ceci. Je peux placer un mot puisque c'est devenu, comme une coutume, au moment où il y a un politicien congolais, tant qu'il soit en prison, il tombe malade. Aobé, il y a un puisqu'il est en train de chercher comment sortir. Matata Ponyo a innové peut-être puisqu'il a anticipé. Au lieu d'attendre son emprisonnement, paf. Yemoko déjà mis le bédé que je suis empoisonné. Je ne sais pas si la parole de Matata Ponyo aujourd'hui peut être prise au sérieux parce que tout yébi déjà que Matata Ponyo avant comme premier ministre, tout le monde a un scénario, il y a crash, il y a Katumba moins qui a là qui touché na crâne. En 2012. Et puis quelques jours seulement après, il a commis premier ministre, tout yébi bateau bazo ba choc, il y a des gens qui ont invalide. Mais Matata Ponyo, quelques jours après, il était devenu premier ministre. Je pense que. Bah, scénario, il y a des moyens. De toutes les façons, si cela s'avère vrai, oui, nous compatissons, mais je ne pense pas que ça puisse être un obstacle pour la justice de continuer à faire son travail pour celui qui a détruit ce pays sous un régime qui avait pris le pays en otage pendant 18 ans. Je pense que ce n'est pas une vengeance, mais la justice doit continuer à faire son travail et cela va s'étendre sur tous ceux qui étaient derrière lui, notamment Oya Bomba qui est le coup là, mon continent, Joseph Kabila. Bonjour, Emo. Naturellement. Moni, Ndekwalobi. À peine que Mbalali Bosso andima Magambo na lobi Makanisinangai oh Makambo na loba qui yamo ni aloba banda kala. Donc ce qui veut dire qu'il s'est repenti et j'espère qu'il s'est repenti les sous. C'est quand même décevant. Balaki si biso que ba interpellation là qui justement pour aider la République à recouvrir Mbongo et surtout que la justice soit faite. Mais aujourd'hui nous apprenons que na kadi ya ba opération wana l'intention était d'éliminer physiquement. Et notre ami Alako Lobango avec légèreté, en oubliant que même au niveau de la présidence de la République, il y a un conseiller principal à M. Félix qui a été empoisonné à 3 reprises. Comment peut-il prendre cette question avec autant de légèreté? Lorsque ministre conseiller en charge à finance, économie et finance à M. Félix Tshisekedi, vous dit qu'il a été empoisonné 3 fois, vous pensez qu'il a besoin de la justice? Nous compatissons. Voilà pourquoi je dis, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des fanatiques à telle enseigne que bah, comme lui-même Kobo est emprisonné. Et ça, c'est très dangereux. Vous pensez qu'un homme empoisonné ne peut être arrêté? Qui l'a dit? Comment on peut créer une situation où il y a que là, qui sait déjà que Moutala a un problème à la santé et vous pensez qu'il a une stratégie pour éviter la justice? Quelle justice d'ailleurs? Lorsque nous tous nous avons suivi l'arrestation à Matata, on nous a dit qu'il y avait des éléments. Bah, tu es sous mandat d'arrêt provisoire. Mais qu'est-ce qu'il y a fait que le même juge ou le même, la même cour a se ressaisi, a compris qu'il y a eu un problème de procédure. Il y a eu un problème d'éléments. Il y a des gens qui sont des incultes, qui créent des dossiers justement pour la Kolinga, pour éliminer les gens. Et nous avons compris. C'est pouvoir de la honte. Nous tenions soit dans l'ambition
Et Ali Kokana, M. Félix Sekedité, doit être éliminé. Nous, nous pensions qu'il y avait une élimination politique. Et comme il y a une élimination physique, ça c'est très dangereux. Conseil de l'OPS à Bango, nous avons un monopole à la violence. Aujourd'hui, au Bétine, cela, Jacinda, on a dit à l'opinion qu'il a été arrêté sous prétexte que Neye Mutabumaki et Ndewonabi soit comédien. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il a été arrêté pour assaquer incitation à la rébellion. Ça, ce sont des infractions pires à Bato Baoutiba Boboutiste. Qu'est-ce qu'il a dit pour Obéma en rébellion? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, on est mis à Maloubana pour Obéma en rébellion. Et maintenant, je comprends, on ne peut pas chasser les naturels. L'UDPS, en tant que dérivé à un père, je me souviens maintenant pourquoi, je comprends maintenant pourquoi Bakimba Bananyan était assassiné. Bah, supporte la contradiction, t'es supporté pour une fois. Merci. Et Jimmy, c'est vrai, pour le dossier Matata, est-ce que vous en avez moins replacé? Oui, on en a moins replacé, mais tu as quand même à revenir en arrière parce que vous avez aussi parlé de Jacinda là. Il vous souviendra que nous avons été sur votre plateau en son temps, moi et Jacinda là. Et ce jour-là, j'étais en train de dénoncer cet état de choses où il y a corruption, cet état de choses, il y a violé le texte sur votre plateau. Et ce jour-là, Jacinda là a failli maman Kusimbanga na nzoto na bisakendeko. Alors là, nous sommes en train d'aller, mais l'histoire se chargera de nous donner raison. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Ndala arrêté. Par quel régime? Par ce régime de la Talibanie. Ndeko, Jacques, ça fait très mal. Ça fait très très mal qu'on vive intolérance au tout vivre. Ce qui Jacinda là, reproché pour incitation, je sais pas, à la rébellion. C'est le même mode opératoire parce que Baloba qui est humanisé en air. Mais la manière dont on a vu les images d'arrestation à Jacinda, la nande Panzinda Kounaï, ça laisse à désirer. Même mode opératoire avec Ngoï Moulinda. On a cassé chez lui, on l'a arrêté. En fin de compte, c'est cette justice aux encablures de cette pièce de théâtre qu'on appelle la marmite de Kokamba, là, une justice tribale, mais on s'acharnait sur Bangou. On va pour l'enlèvement de Henri Magi. Sorti d'une épicerie en train de se chercher de quoi se mettre sous la dent, Henri Magi va enlever le lendemain, c'est la justice. Plus loin, Massaro, le neveu de Kamel, il est en train de couper aujourd'hui la justice. Batika la Moussambi, ça a été. Vous comprenez le niveau justice, Nabiso et Amoka, Isaleli. On a parlé de Matata. Matata ceci, Matata cela. Mais Matata a quitté Conakry pour n'avoir quoi répondre devant cette justice, sachant que c'est une justice tribale et instrumentalisée. Aïe sur place, Awa. Auto-vivre acharnement. Le procureur était sur le dossier Boukangalonzou. On appelle les sénateurs Bassani Bangoba pression. Les sénateurs n'ont pas cédé à la pression parce qu'il fallait qu'il y ait une contradiction entre Matata et l'IGF et produit PV signé par les deux parties. Ça n'a jamais été fait. Les sénateurs Baboui qui ont levé immunité à Matata. Le lendemain, le procureur rebondit avec le dossier réalisation. Mais le dossier de l'organisation, un syndicaliste de la DGDP, le président de l'organisation syndicale, Papi Mbungu. Introuvable d'ailleurs. Papi Mbungu, aujourd'hui, il est en cavale. Pourquoi? Parce que Papi Mbungu a dit haut et fort que dossier Oyo, Matata n'y est pour rien. Lui, le président de l'organisation syndicale, il a suivi ce dossier, on a indemnisé ces gens-là, Matata n'y est pour rien. Mais son directeur général s'est acharné. Aujourd'hui, Papi Mbungu est en cavale, en fin de compte, procureur a libéré Matata pour ce dossier. Le lendemain, Matata. C'est encore le dossier Boukangalonzo qui rebondit. En fait, l'entreprise de la mort s'est installée en République démocratique du Congo. Quand un conseiller du président, devant le média, je pense que cette communication a été structurée depuis la présidence. Parce qu'un CPA comme répondant, le directeur de cabinet, puis le président, il se permet le luxe à Kola, que j'ai été empoisonné à trois reprises. Ça veut dire qu'à la présidence de la République, il y a une entreprise de la mort. Ça veut dire qu'il y a une entreprise de la mort qui s'est installée en République démocratique du Congo. Mais ce photo comme Koubanga. Il faut tout le monde. Merci. Et voilà, le sujet, toujours le bel rapprochement FCC ensemble, et ça déjà comme Tama Namasolo, Moïse Katumbi a coquille qu'on serré le Bokoya, Joseph Kabila, pour que finalement, on dirait que ma déception est à moins ma casse à niveau de l'Union Sacrée. Alors, Moïse Katumbi, fort, on a 70 élus, Nayazana Bangona, Palais du Peuple, plus une affaire, il y a environ 200 au FCC, Koko, Tikala Nayango, ce qui va s'engager, ça fera un bon chiffre, Oyo. Et qu'on peut-être bouger un peu les lignes en termes de configuration.
politique au Tosana. C'est vrai, officiellement, ensemble, Bazak a reconnaître le Kouanate, n'a communiqué pour la Jacquine de la Basaki Lobby, Bazak toujours qu'on se reconnaître comme membre faisant partie, il y a Union Sacrée, mais rumeur Wana, Eza, Kopanzana. Alors, est-ce que Toko basculé, est-ce que configuration politique est changée, que deviendra Union Sacrée au cas où projet Wana est commis et Salemi y a solo Yango Toza Kolobela, vous êtes d'être nombreux et à réagir par rapport à Elokon. Alors, Ndeko, c'est lui qui nous dit Toza Union Sacrée. Est-ce que rumeur Oyo Eze est solo? Est-ce que c'est vrai que tu es mis ensemble et Moïse Katumba menace qui dans un communiqué au Basalaka dernièrement pour la loi, il y a proposition de loi à Tchani que Kolongwa, Union Sacrée, ceux qui m'ont aligné en gros dans l'ordre du jour. Est-ce que vous avez préparé l'Union Sacrée que vous pouvez perdre un partenaire de taille? Sur les deux premières questions, tout le monde a vu que je ne suis pas intervenu comme les autres. Naroli qui est la question Oyo, je vais avoir suffisamment de temps. Neko Jacques et Yebani, la théorie politique, que Eloko Sangisaka, Bissona politique, ce sont les intérêts. Et c'est bien pour ça que Bissona a autre vision du Congo. L'intérêt devrait nécessairement être l'intérêt du pays et non des individus. Mais je voudrais commencer par rappeler l'histoire. Pour Nakula Ksakir, Kotangana Yaba, groupe sociopolitique, ce n'est pas ça qui influe effectivement à la vie de la nation. Tokomi, na élection en 2011, tout ça, il y a élection, Joseph Kabila a triché, Denga triché qui en 2006, et créé crise. Tant que créé crise, 2012, dans le mois de mars, accord cadre d'Addis Abeba est signé. Et pour chaque pays respectif, mode à résolution à crise. Pour la RDC, Basengi, classe politique et Kendena, dialogue. Joseph Kabila a truqué, a sali comme d'habitude, batrupatuage, n'a place, il y a dialogue, concertation nationale. Bah, mode ouane, zala qui juste pour nakoubana kouboukama, malembe, malembe, force politique, ozaki en face naïe, ozaki évidemment mené par l'UDPS et allié. Basali débauchage, ça veut dire opposition en général. Basali débauchage dans concertation wana bomoni ba tout le coup là ba de connaître sur MLC ba y ba rejoindre bango na quelques leaders politiques mususu. To continuer dans une crise et se poursuivre. Conseil de sécurité des Nations Unies a transformé le Kouana accord y a dit ça beba na résolution et comme une résolution pour faire pression na régime ya Kinshasa. Face à cette pression, il fallait organiser nécessairement un dialogue. Ndomoni Toye babengi ndeko Edem Kodjo ou ba prépara qui déjà bien avant. Toke na dialogue ya cité de l'Oya. Ba bouki li sous opposition. Ba ndeko sami ba di bangabaye. Na ba misusu. Tozo tika la toujours mouke. Na yebe sika na zo kende landanga malamu. Ba kongole ba landanga malamu. To longwa na cité de l'Oya. Pression avec le rassemblement créé na Genval. Na 2015 par le docteur Etienne Tcheke du Amouloumba. Paix à son âme. Pression et commis makasi. Kabila était obligé d'écouter la voix du peuple congolais puisque. Nzela et la Kisiki Kinshasa moyen zate babomi déjà ba 520 morts na fosse commune pression Nzela et zo kokali sous ko za contenu par le pouvoir de fallait effectivement aller au dialogue cité de pardon to yego ça la dialogue ya Basango Senko to comme le dialogue à Senko monde opératoire une fois de plus il y a même régime babuki sous opposition cette fois-ci ba sali tentative ya débauchage ba Mobake ba Tshibala et consort ba Kei Ndeko Jacques. Laissons la nyon soit nezanini. Tango et salami ndenge salami wana, ba komi siko liboke mounene, ba koti gouvernement, ale ba impose ba composante nyon soit ya gouvernement, ou ba yaki na cadre, ya cadre juridique, et qui dialogue et saki, metaki gouvernement en place pour résoudre la crise, ba koumba mamba FCC. Alors là, c'est pour maintenant, c'est maintenir au pouvoir, demeurer, y demeurer même à jamais. Tout le monde a panou et matin à Kinshasa, 100 ans, ba kolongwate, tout ça, le peuple congolais s'est dit, je me fais, je ne suis pas derrière vos regroupements. À table combien belé, vous n'êtes que des individus. Vous êtes des leaders politiques. Le peuple congolais, sachant ce qu'il voulait, le FCC dans sa force imaginaire, aujourd'hui on n'en parle plus. Et égal FCC de triste mémoire. Je voulais vous dire une chose. L'histoire politique de ce pays, il faudrait que nous la parlions et que nous la racontions aux enfants. À ta dynamique politique et salike, pour le Tangelinga Awa, FCC, éventuel rapprochement, il y a FCC ensemble. Mais non, FCC ensemble n'a la mouka. Parce que tu es bien sûr ce qu'il dit que Martin Fayoulou est prêt à tout, justement parce qu'aujourd'hui, il se reconnaît au document de l'OCA à son temps, sur Rinen. A Rolinga Siko, il y a siège, il y a un siège qui est déjà Moutou, il y a un président élu comme il se l'est fait appeler. Je voulais vous dire ceci. Ils peuvent tous se rassembler ensemble. Mais le peuple congolais, connaissant ce qu'il veut,
et que l'action politique du président de la République, avec la création de l'Union sacrée, a déjà mis fin à ce que nous appelons mandat impératif pour les députés. Il a appelé à la conscience les élus du peuple aujourd'hui travaillant pour le pays. Ils peuvent se rassembler. Mais je pense que les députés nationaux ont compris que ce pays ici a une histoire à écrire et ça s'écrira avec le peuple. Alors, Ndeko Bolodjoa, est-ce que l'heure est divorce et ils ont sonné pratiquement la union sacrée? Est-ce que ma fissure est tellement visible que finalement ils en allons fait? Ndeko Mangaye, ça n'a pas si. Tobeta Masolo, il y a quelque chose qui n'existe pas en réalité. L'union sacrée, c'est une partie à cerveau à M. Félix Tshisekedi pour dire une idée où il a que germé dans Moutou et Félix Tshisekedi. Non, mais comme une réalité sociologique. On vous dit que l'union sacrée est la ligne macaniste. Est-ce que Moutou a voulu qu'on l'envoie, a voulu qu'on l'envoie un macaniste ou un bandimaki macaniste? Ils doivent continuer avec ça. Il faut que Bawanyan soit baillé par poids à bilan. Ils ont fait le choix de servir l'axe du mal. N'est-ce pas le balé, le moutounion soit aïebi, histoire à Congo, aïebi où nous sommes aujourd'hui, aïebi que M. Félix Tshisekedi est dans la vision à Imatouchi. Et tous ceux qui l'ont accompagné, ils doivent avoir, dans ma pékanabango, le poids à bilan, il y a ce qu'ils font à la République. Monsieur Nani Bemba, Monsieur Moïse Katumbi, on a eu des débats avec leurs communicateurs. Bah, ils disent, non, nous adhérons à la vision. Quelle est cette vision? Bah, évitez. L'union sacrée. Mais l'union sacrée, c'est quoi? C'est la vision de Monsieur Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il va le quitter pour aller où? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils doivent continuer comme ça. Quand nous sommes en train de m'assurer à peuple, c'est-à-dire que tous ceux qui sont victimes, il y a maladresse, il y a gouvernance au Goza qu'on imposait. Ces gens-là, effectivement, ont besoin de changement, mais sans vous. Le problème est la Libye. Par nature, M. Félix Tshisekedi n'a pas été créé pour respecter sa propre parole. Ça, c'est connu de tout le monde. Il est dans l'incapacité de respecter sa propre parole. Chaque fois que quelqu'un a là pour s'hasarder, qu'on approche, à cause de la toujours déçu. On peut vous compter autant de cas où M. Félix Tshisekedi a respecté. Aujourd'hui, le débat simple. M. Félix Tshisekedi d'être candidat unique. Pour toute la République, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le pouvoir, il veut être le seul candidat. Il va éliminer tout celui qui aura le même velléité. Oh, Moïse Katumbi, étant donné qu'il a eu pris des engagements avec ma partenaire Nabango, il a été obligé à postuler. Et lui, pensant que M. Félix Tshisekedi était de bonne foi, il a accepté, il a quoi accompagner, il y a une forfaiture. Donc, quand on met à Massoula à tricherie à Kabila, 2006, oui, nous pouvons dire oui. 2011, oui. Mais ce qui est grave, 2018, ce n'est pas lui qui a triché pour son intérêt, il a triché pour vous. Félix a triché pour Nabino, il fallait le dire. Le fait que M. Félix Tshisekedi est le fruit de la forfaiture électorale. Devant cette réalité, vous avez Bino Nyonso défier qui peuple. Aujourd'hui, nous parlons de la révolution. Le peuple doit rechercher cette vérité des yeux de Bino. Merci beaucoup. Alors, Jimmy, c'est vrai, toi, si c'est Bino sur le scénario, Judas, Jésus, Oya Bengi Muninga, Judas, Oya Bengi Alobinani, Jésus, est-ce que Yosan a perdu le mariage ou remariage, Bolingoto, Bosangani, amitié, Katumbi, Kabila, est-ce que c'est envisageable lelo? Est-ce que Koki Kosala? Ndeko Jacques, merci pour na motuna. Na Bible, biso ba chrétien, l'accusateur c'est le diable. C'est le diable qui vient chez lui. Nzambe, au moins était David kuna, azui moi c'est amout. Or David avait cette capacité de résilience. À chaque fois salimabe, aeba ki kosenga bolimbisi, aeba ko tubela ngo nzamba benga ke l'homme selon son cœur. Le diable, c'est l'accusateur. La législature commence. Vital, on met en place le programme 100 jours. Pendant que le président a été élu, na vision a présenté à Bisson Anani, na Hôtel Béatrice. Et nous attendons à ce que cette vision puisse se transformer en programme du gouvernement. Bah, il a dit Mosaïque Moko, au bas présentant, ici à l'imité, sous le bord qu'on a appelé le programme 100 jours. Et quand on met en place le programme 100 jours, c'est Vital Kamerhe le diable, les détournait. On l'insulte, on les traîne dans la boue. Bon, bah, traînez-moi si, n'a une réputation, moi, si, n'est dans la boue. En fin de compte, on met en place Vital Kamerhe. On met
de côté Vital Kamerhe, on l'acquise de tout le monde, l'acquisateur a acquisé. Deuxième étape, c'est l'FCC qui me bloque. Nous avons subi des humiliations. Avant de signer les ordonnances, nous devons les consulter. Mais du moment où vous n'avez pas la majorité, les jeunes démocratiques vous exigent assez qu'avant ça, la nuance, il faut consulter les partenaires parce que tout ça en bloc. L'FCC, diable, l'FCC, c'est ci, l'FCC, c'est là. On acquise l'FCC par l'acquisateur, le diable. L'FCC s'écarte. Moïse Katumbi, n'ayant pas consulté l'histoire politique de notre pays, parce que nous, nous en avons la chance d'être dans des auditoires où le professeur Mova vous enseigne l'histoire de notre pays. N'ayant pas consulté l'histoire de notre pays, l'histoire politique de l'UDPS, que l'UDPS a baigné dans la trahison durant toute sa vie politique. L'UDPS a trahi ma partenaire sur toute la ligne. Moïse Katumbi va offrir des béquilles à l'UDPS pour trahir Kabila. A ébagité na Areo Elandi, la victime serait lui. Il trahit Kabila. Bazou majorité na Obino Boyebeli, par la voie de la corruption, du débauchage, du vagabondage politique et de la tricherie. Bazou majorité Bokine, n'a pas un mot sur un plateau de télévision que cette histoire qu'on appelle cette nébuleuse, qu'on appelle Union Sacrée, le roi championnat de la foot, et qu'on m'a soukate, tu es la champion des champions Marana Bureau. On m'a pas cru. Moïse Katumbi, quel est le mal aujourd'hui? Je suis en train de me poser des questions. Il vous amène ce temps de député. Quel est le mal de Moïse Katumbi pour qu'il subi l'échange acharnement et non basso déversé sur lui? Nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui. Mais les esprits avertis, nous qui sommes les esprits avertis, toujours avertir Bahati Lukwebu. Toujours avertir les fils aînés de l'UDPS aujourd'hui, c'est Bemba. Nous les avertissons que na arrêt aux Olanda. Cible les abîmes. En fait, l'UDPS aujourd'hui, constatant qu'ils sont déficitaires dans le bilan, l'UDPS veut justifier son incompétence à gérer les pays Nabatoumissoussou. Baba Keno, ah, lui, c'est ton coquin, il était parce que Moutou Azala qui m'a dit non, gérez-nous le pays. Ndeko, Jacques, je vais rejoindre de Bolo en disant ceci. Même dans le cas les plus extrêmes, même si on t'avait toi comme candidat, de l'autre côté, le candidat de l'UDPS, même dans le cas les plus extrêmes, on donnait à Kabouya à la CENI. On donnait à Kaboul la Cour constitutionnelle. Face à cette situation économique et sociale aux populations sont vivre. Au bilan qu'on y a ce matin, soit de vite la comparaison de 2018 et le matin. Soyez-en convaincus que le candidat de l'UDP serait battu à plate couture. Parce que le peuple va se louer. Le peuple va se louer. Le peuple va se louer. Alors, on va se louer. Alors, on va se louer. Kabila Zapré, Moïse Katumbi, au cas où. En politique, il n'y a jamais des ennemis éternels. Les accords se font et se défendent. Tous à l'arrêt, tu as eu des pestés. Mais tu as eu des pestés, la majorité, tu as eu des pestés. Tu as eu des pestés, tu as eu 9 ans gouverneur à Kabila. Entre ce que Kabila a fait de Katumbi, ce qu'on est en train de faire pour lui ici, moi je pense qu'il aurait préféré. Azala n'est pas Kabila, Soratika n'est pas Kabila. Le nom, c'est pourquoi je dois saluer Martin Fayoulou. Martin Fayoulou est resté constant, droit dans ce botte. Martin Fayoulou, il s'est servi dans l'histoire à Genève. Au IDP, ça trahira qui est. Martin Fayoulou a refusé de donner du crédit à cette entreprise de la haine qui s'installe en République démocratique du Congo. Alors, Cédric Moudiantou, qu'est-ce qui fait que Union Sacrée n'a toujours pas, Babengiango nébuleuse, Babengiango finalement, au Babengiango, et ça s'organisait toujours pas. Depuis qu'il est engagé, okay, finalement, on ne sait pas qui est le stratège. Alors, Makambezo, le Kakuna, tout l'année communiqué, Bandeko ensemble, Balobi, Moutouna Mangaza, quand même leader, Azan a droit et à respect, ou de respect, Zate, Union Sacrée. Problème, Eza Kobima, c'est Sanga Sengi, président, a sifflé, justement, fait à récréation, Francis Kalombo. Alors, Bakengo, il y a un silence de mort. Est-ce que Bozo Akaba partenaire n'a bino n'a respect? Est-ce que Bomemi Akabango, tout finalement, Bobin Rabatou, Bobo sera un esprit, Nabango, bon humilié, Bango? Ndeko Jacques, n'a salué na plateau na yo, sincérité en Ndeko Bolodjoa. Sincérité na yé parce que Alobi, bien que c'est une affirmation qu'il ramasse, je ne sais pas moi où, malheureusement pour un intellectuel, mais Alobi a waké, Ndeko Félix Tshisekedi démarche na yé, et ça a pu éliminer ba candidat potentiel, Union Sopoatika la yé, moko candidat, à faire à Légion à Moïse Katumbi. Je ne sais pas, peut-être aussi na Matata Pogno, il reconnaît d'abord que Martin Fayoulou n'est pas un potentiel candidat. Donc déjà le fait, ça c'est lui, c'est ah. Lui. Donc il reconnaît déjà que ça, Martin Fayoulou. Écoutez donc, monsieur, je ne vous ai pas interrompu moi. Ouais, mais quand vous dites de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Ayez le sens d'analyse et le sens du débat, n'est-ce pas monsieur? Sans modèle d'analyse. N'est-ce pas monsieur? On comprend la conclusion. Donc puisque les potentiels candidats doivent être écartés et son candidat
n'étant pas inquiété par la justice, cette justice qu'il est en train de fustiger, voilà. Alors donc on peut comprendre que son candidat n'est pas un potentiel. Alors un candidat qui n'a jamais été potentiel, je me pose la question, comment est-ce qu'il pouvait gagner les élections, puisqu'il dit, il souligne que les élections ont été truquées. Truquées par Joseph Kabila en faveur de Félix Tshisekedi face à un candidat qui n'est pas potentiel. Je ne sais pas comment il fait pour rétablir cette cohérence. Je ne sais pas si nous pouvons une fois de plus être, je dois peser mes mots, respecter le peuple congolais. On veut aujourd'hui nous faire croire que ce régime est contre Moïse Katumbi. Mais non, quand eux ont Moïse Katumbi à servir depuis 9 ans à l'Obiawa, à prendre option à Kokabwana Bango, Bango de Bailex Koumba Sourianouat. Qui savait que Moïse Katumbi a bengé Soriano, Tolanda Kokonyangi. Il était avec eux. Tolanda ba déclaration na Bango. Katumbi a télémaré la frontière na Kasumbalesa. Il ne pouvait pas entrer ici. Italien, juif, on l'a traité de tous les mots. C'est eux qui nous ont sorti ici que Katumbi était un étranger. Ba botolier passeport puisqu'il ne pouvait pas avoir un passeport congolais. Mais aujourd'hui, on se permet allègrement de venir sur un plateau de télévision puisqu'on prétend avoir une certaine connaissance. Mais quelle connaissance? Quelle connaissance? Une ignorance, on ne peut pas la faire passer pour une connaissance, ne serait-ce que par respect au peuple congolais, puisque la mémoire collective reconnaît tout ce que j'ai dit ici. C'est M. Moïse Katumbi a servi Joseph Kabila pendant 9 ans comme gouverneur. Et pendant ce temps, c'était le meilleur gouverneur. Moïse Katumbi, télé 50 à inondé du saut, ben image à Moïse Katumbi, ah ouais. Mais les lots partenaires... Ndeko Jacques. Tout ça qui n'a problème n'a été. Nous n'avons jamais eu un problème avec Moïse Katumbi. Il est venu s'associer au peuple congolais pour mettre fin à ces régimes. Ces régimes qu'il a fait passer pour un étranger. Aujourd'hui, on nous dit non, nous n'avons pas de problème avec lui. C'est eux qui ont problème. Nous n'avons pas de problème avec Moïse Katumbi et il le sait. Tout ce qui va dans le sens, il y a... D'abord, la loi est impersonnelle. On n'a pas fait une loi contre Moïse Katumbi. Non, faux. Il n'y en a pas. Dans mon politique avec Félix, c'est comme il passe, puisque... L'adversaire politique, ne sachant pas effectivement brandir le preuve, les motivations de sa conviction politique, il saute aux accusations. Il y a une question à Ndeko Jacques. L'Union sacrée, c'est l'affaire du peuple congolais. Nayoka ki awa batuba longwe kotoyo, baye kotoyo sans soubassement. Mais tant que bisona bango tout tamboli ensemble. Ça là, bolo joie plaisir, Union sacrée amis. Azwa définition va zo ngada. Ah mais c'est les Français qui azomona pas. L'Union sacrée est la réconciliation du Congolais avec lui-même. Écoutez, Je n'ai jamais vu comme ça. Jamais vu, très agité. L'Union sacrée, c'est la réconciliation du Congolais avec lui-même face à la machine politique qui nous était instaurée ici. Notamment, régime, même si tout le monde a dit, ah ouais, bah. Un mandat impératif, l'Union sacrée, c'est l'appel d'un leader politique, en fait, du président de la République, un leader, le papa du peuple, le père de la nation, a montré que le pays fonctionnait au bénéfice des individus. Alors, il fallait mettre fin à l'idéologie, on élit un député, il doit s'accrocher à un leader politique. Il a appelé à la conscience les élus du peuple pour œuvrer pour le pays dans une vision. Et c'était quoi la vision? Reconstruire le pays à travers les valeurs, notamment la justice. Aujourd'hui, le pays est en train de fonctionner normalement. Le pays est en train d'émerger dans l'essence du prestigieux rêve d'Étienne Tshisekedi. Et c'est ce que nous appelons union sacrée pour la nation, pour la reconstruction du Congo, monsieur. Merci. Alors, Bolojoa, c'est vrai, selon notre confrère CNews à Lobby, que activation, justement, il y a projet Oyo Kabila Katumbi et Roko Salema dans 5 mois, c'est-à-dire lors il y a évaluation, il y a gouvernement Samaloukonde et Lukonde, pardon. Est-ce que tu revivres le scénario à G7T que Moïse Katumbi a rappelé ma troupe Naye, Abimisabaron, le gouvernement Oya Union Sacrée, est-ce que réconfiguration politique bascule ou en a est imprévisible? L'avantage qu'a M. Félix, c'est qu'il a la possibilité à emballer nos jeunes frères Bakoya pour l'ascenser, que Koumisaye, que Boakere, Massanzoli, mais sur le terrain, il ne représente pas grand-chose. La gouvernance, il y a l'élu, la gouvernance la plus polluée. Ce que vous avez un indicateur, la gouvernance, au lieu que c'est référé à ma professeur Otanga Ekomba. Le pays va très mal. Très mal.
juste pour nous répondre à la question, nous avons pu saisir des informations que lui n'a pas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des ressources Nabiso est allée exploiter par le Rwanda de manière non officielle? Tu disais non officiel, tu spécules alors. Voilà. Ah. Voilà pourquoi je dis. Mais non officiel, tu spécules. Je spécule pas. Non, mais attendez. Vous pensez que l'économie souterraine est la vie forte? Alors moi, je spécule pas. Non, mais voilà pourquoi je dis que c'est ça. Que... Non, mais attendez. La difficulté, les amis, tu as été envoyé ici pour parler au nom de ton parti, mais ton cerveau n'est pas adapté à la qualité d'émission. Il y a un cambrio. Tout ce qui n'est pas officiel ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ton cerveau n'est pas adapté à comprendre les faits. C'est ça le problème. C'est de ça, Bolojoa. Tu demeures dans la situation. Moi, je suis scientifique. S'il vous plaît, me maudit tout. Alors, Bolojoa, c'est de ça. Je comprends d'où il vient. Et je connais son président. Le problème est allié que aujourd'hui, le pays va très mal. Monsieur Félix, c'est qu'il est dans la vision Imatouchi. Tous ceux qui l'ont accompagné ne l'ont pas compris. Bah, on comprend, on est si court. Chers concitoyens, M. Félix Tshisekedi, avec ses relations, les relations nées avec le Rwanda, se permet aujourd'hui de mettre en mal les structures de l'État, justement. Mettre en mal les structures de l'État, justement, parce que devant le Rwanda, il ne représente pas grand-chose. Est-ce que vous savez que nous tous les lobes, tout ce qui est certification à bas produit Nabisso, ça passe par une structure, surtout sur bazar pour exploiter la matière précieuse. Est-ce que vous savez que cette structure-là est mise en mal aujourd'hui? C'est. Elle est mise en mal aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi le DG actuel, Oazakilolo, a été suspendu? A été remplacé par un membre de l'IDPS? Parce que alors que Tchab a intérêt en mal, il y a intérêt à Rwanda. Au lieu que la République ait protégé service naïe, aujourd'hui, le Toro le Babé. C'est Félix Tshisekedi qui protège l'intérêt du Rwanda. On va remplacer les DG par un membre de l'IDPS. Et vous pensez que c'est pour l'intérêt de la République? Les dangers, le mieux battre pour comprendre que c'est M. Félix Tshisekedi. Quand on vous dit non, vision à Félix Tshisekedi, non! Si c'était une organisation, on allait avoir la charte. Ils n'ont pas de charte. Si c'était une vision, on allait avoir même la brochure. Pour que toi, comment ils vont procéder? Ils n'ont pas de plan opérationnel, ils n'ont rien. Bateau Bakenda Ikuna, c'était justement pour se retrouver. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que le pays va très mal. Rapport de force rechangé. Rapport de force rechangé. Parce que dans la stratégie, M. Félix Tshisekedi, il a utilisé même la Cour constitutionnelle. Pour la Cour, il a député qui est allé se soulier dans ma partie politique. Mais lorsque vous lisez l'article 100, 110 de la Constitution, lorsqu'un député quitte son parti, automatiquement, il devait perdre son siège, non? Et pourquoi cela n'a pas été fait? Parce qu'aujourd'hui, la justice est caporalisée. Ce que nous allons constater, que effectivement, ce qui Moïse Katumba India Longwa, a l'assure que Bangoni se trouve à Longwa T, Batumsu Subaro Salakaga dissidence comme d'habitude, comme lui aussi, à sa Messani Nango, les autres vont partir, mais au finish, M. Félix Tshisekedi a resservi la République. Même Bangoni, ils ne font pas pour l'intérêt à la République. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ont cautionné la forfaiture électorale. Un CENI est constitué dans le bateau de corrompre les députés de l'IDPS. Assemblée nationale constituée dans le bateau de profiter de la forfaiture électorale. Avec un président cabinocratiquement élu. Et vous pensez que le pays va évoluer dans ce sens? Merci. Jimmy Kitenge, est-ce que Bozo comptait récupérer? Est-ce que Bokoko a récupéré les députés qui se transfusent il y a FCC Bati Kabino, Bakéi? Et est-ce que Bozo Bangate, que ce qui crise, ça les mis. Je parle en termes de projet, mais il n'y a pas encore de preuve que mariage Katumbi, Kabila et que Salema, mais au cas où est Salemi, et si Félix Tshisekedi procédait à la dissolution de l'Assemblée. Merci Ndeko Chako, pour la moutouna, tika na zungela, moi si mamouke. Généralement, je ne réponds pas aux quantités négligeables. Généralement, je ne réponds pas aux parties malettes. Généralement, je ne fais pas l'apologie de la pédophilie, moi. Mais. Je vais quand même rebondir dans le dossier Moussous. Tant que Moïse Katumbi, que nous on lui a fait du mal, on ne peut pas justifier un mal par un autre mal. Vous nous avez combattu, vous avez dit que Bisso, tout ça, tu écartes ma candidat, tout ça. Mais quand vous arrivez au pouvoir, veuillez corriger ce que Bisso, tout ça, qui Yamabe. Et non pour copier non sur Yamabe, pour copier Père Malamou. Yamabe, ceux qui vont copier Kabila, pas Salaki. Ceux qui vont copier Kabila, la justification devient Kabila. Mais,
Kabila ne s'est jamais justifié au nom de Mobutu. Mobutu nous a laissé 14 milliards à Banyongo. Mobutu nous a laissé ceci, cela. Kabila, jamais dans son propos, au Koka, que non, Mobutu avait fait ceci, c'est pourquoi j'ai fait cela. Non, diriger le pays. Ndeko Jacques, l'union sacrée devait être pas la vision des individus sur le plateau, plutôt la vision du président. Quand les gens veulent sortir ce qu'ils ont dans la tête, pendant que l'initiateur ne nous a jamais expliqué le concept de l'union sacrée, ça veut dire que vous vivez dans la planète Mars, vous vivez dans la Terre T. Mais quand Jacques, aujourd'hui, l'union sacrée n'a pas un cadre de concertation. Mais surtout avec la FCC. Avant toute nomination, avant toute ordonnance, et du moment où le PPRD n'avait que 118 députés, et que pour avoir la majorité, il fallait 250 plus 1. Et tout le monde dans la bande des cognos, les Boussa, les Mende, tout ce monde, tout le monde ensemble, tous ont géré ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont reproché? Nous qui avions la majorité, la majorité, avant de signer l'ordonnance, il faut tout naka, bah tu FCC, mais il est tout à fait logique, parce que toi qui as la majorité, il n'y a pas un cadre de concertation à l'Union sacrée. Qui dirige l'Union sacrée au quotidien? J'aurais appris que c'était un étudiant, mais je vais vérifier quand même. Est-ce que Bossolo l'a capé? Parce que ni tété les recommandations du FMI, tous les partenaires de l'Union sacrée, bah, c'est lui qui a la nomination à la Banque centrale. On ne les a pas consultés. Donc, on consulte les gens qui sont sous le bois à 10e rue limitée, et puis on le récupère de là, bah tiens, bah, on la banque centrale. Il a rectifié, on a mis les gens de Bahati. Pourquoi? Parce que FMI, dans le bas qui sortait, nous les politiques et les membres du cabinet du président, il y a composition. Mais il n'y a pas du respect pour le partenaire. Kabila a respecté le partenaire. Kabila était avec le partenaire. Vous comprenez? Mais ici, on ne le respecte pas. Bazali, ils se sont engagés dans cette union sacrée comme de l'armée. Ils doivent être convaincus que demain, ils en seront les esclaves. Est-ce que Bokozo va député pour la sa majorité au Bozaki Nango, FCC Zonga sur la force? Ndeko Jacques, vous savez, ce parlement congolais-là, c'est un parlement où ils en ont opprobre. Pour la Nîmes. Parce que ce sont de vagabonds politiques pire souche qui composent ce parlement là. Pourquoi? Parce que vous êtes élu dans la belle Moussoussou. Mais parce que vous devez faire plaisir au maître à penser, Bukamati Bolomo Sikawana, Bozongé les Sikamsou. Tant que la population va nous élire binou. Aïe bagite que yoza AAAB. Aïe bagite que AAAB est en FCC. Aïe bagite que yoza PPRD. PPRD est en FCC. Ces gens-là sont partis. Ils sont tous à objectif, on a mis sur la minute. C'est 2023. Nous devons mettre fin à l'aventure de l'IDPS au sommet de l'État. Nous n'avons pas besoin, il y a majorité, il y a opprobre. Il y a majorité, on peut donner aux députés, les nantis de la République, les mieux payés de la République. Mais déjà, on reproche, quand Kabila, il n'y a pas de leader émergent. Kabila ne dit mot, Azago s'est prononcé, on dirait. Tempo Mokozan à niveau YAFCC. Le silence de Kabila était une réponse face à l'accusateur, face au diable. Il fallait à un moment donné s'éclipser. Laisser l'accusateur, le diable, à sa loyer pour ça là. Et puis en fin de compte, les gens vont se rendre compte que Ata Pikoli Maseki Akatimuki, le diable loyer wana. Na linga na lobelo romoko. Rapidement. Ndeko Jacques, face à un parlement, où ils en ont opprobre. Un parlement composé des nantis de la République, où ils ont touché 12 000 dollars chaque mois, est-ce qu'il fallait qu'on bâtisse la banque 27 millions de dollars et à Badjip pendant que vous allez signer les accords de avec le Rwanda, l'ennemi public numéro 1 à Ba Congolais, où il y a quoi qu'on investirait pas nos 5 millions de dollars pendant que vous pouvez prendre 80 000 dollars à Congo Brazzaville pour aider bateau bazar va sinistrer à volcan, mais vous avez 27 millions de dollars. Il y a coupé ça va parlementaire, va amener peu bazar au propre. Et puis vous appelez ça montage financier. Mais où est l'IGF dans ça? Merci. Où est la justice, la marmite de Koukambala? Elle est où? Merci. Rapidement, tout résumé, on va prendre la consulte. Ça chante pas Christian Lobby. La dissolution du Parlement est possible car Fati a déjà prédit qu'il reviendra vers nous, la population, pour demander la majorité. Tchétché, c'est fou, la peur au ventre maintenant. 2023 arrive à grands pas. Nick Nduelo, Félix sera le plus grand perdant. Quoi qu'il arrive, après tout ce qui se passe, il n'y aura aucun allié. Simeon Nomba, Katumbi a le libre choix de se définir, mais qu'il ne trahisse pas les Congolais qui sont pour lui. Dan
Laden Chitende, Katumbi est un grand poisson. Son départ réduirait l'effectif de l'Union Sacrée, mais ça n'empêchera pas Félix Tshisekedi de bien gérer la République. Amiral Georges Tamba a qualifié Ango pratiquement d'utopique. Mariage Gogo Salema, Katumbi, Kabila. Maître Baby Gustave, c'est simple. Au cas où le président se trouvera bloqué, il va dissoudre le Parlement, mais je crois que c'est rêver debout en croyant que Katumbi va coaliser avec le FCC Kingakati. Galat Tangaba, Fati va gagner toujours, champion et Pelé. Nous allons dissoudre l'Assemblée nationale sans réfléchir deux fois. Alors, Ndeko, c'est dit, toujours conclure, Rwanda. Est-ce que Félix Tshisekedi saura changer Kobongo la Masolo? Est-ce qu'il a gagné dans la menace au cas où projet Oyo Isali? L'allié de Félix Tshisekedi, pour répondre à mon frère ou à Lobina Katuana, l'allié de Félix Tshisekedi, c'est le peuple congolais. Parce que c'est ce peuple congolais qui lui a donné ce pouvoir. C'est ce peuple congolais qui voit comment il se bat pour le sortir. Nakati Aliboulo en moto. Et ce peuple congolais là n'étant pas naïf, Félix gagnera un second mandat tête haute. Nalinga qui lui souffre dans le Yoloro Mokwa en Dekojak. Il y a un manque de respect. Mais je pense qu'on moutoyait dans le plateau en étant ignorant. C'est pour ça que, pour donner un sens à votre plateau, faites une sélection de la qualité. Vous êtes suivi, vous êtes respecté. Sélectionnez la qualité plutôt que de ramasser des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent, même par rapport au passé. Son taille d'histoire n'a été, je ne sais pas ce qu'ils peuvent dire du présent, eux-mêmes encore de l'avenir. Le FCC ou encore la MP de d'habiter ce qui y a Totobé dans mon idée. Ils ont chuté déjà. Ils ont chuté. Azala qui n'a cadre de concertation, mais est-ce qu'on peut parler de la productivité politique? Ils avaient un cadre de concertation. Pour quelle productivité politique? Première question. Bisona Bango, Tozala qui n'a cadre de concertation. Pour quelle productivité politique? FCC cash. Donc, n'habitez tout yaga na plateau avec notre tête. Ne konangai en face. D'abord, j'ai compris. Les Congolais doivent en amener la lacune et bébé. Azana est sur le plan de droit. Déjà, parce qu'elles ne comprennent même pas que les députés à FCC, Longwana va partir, pardon, à l'Union Sacrée. Ils n'ont pas quitté leur parti politique. Merci, Cédric. Ils ont justement mis fin à un mandat impératif, c'est tout. Merci. Ndekobolo Djoa, 10 secondes pour conclure. Il est arrogant, trop imbu de lui-même, mais avec des insuffisances. Quand la constitution vous dit que quand vous quittez le parti, le fait d'avoir déclaré, il y a des gens qui ont et là na bateau va déclarer que ba longue plateforme. Comment vous pouvez expliquer ça? Je comprends, moi le bateau va encore ta politique, ta génération spontanée, ils n'ont que la culture, il y a ba insulte. Ils pensent avoir maîtrisé quoi que ce soit, alors que ce soit lui qui soit son président, ils viennent à peine d'entrer en politique. C'est quand même décevant. Et vous les avez. Je le connais. Ne me poussez pas à l'emballer ici. Parlez, je suis là. Je le connais, il a été très bien. Moi, je suis là. Moi, je connais les leaders. Je n'ai pas ton niveau. Le problème est d'aller voir que tout le monde veut résoudre le problème de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir cancérogène. Au moins, que rien ne va. J'ai insisté sur un dossier. Et l'équipe. C'est un grand dossier. Comment un président d'un pays, il y a pays voisin ou ami, il y a pays justement, si peut demander la tête, c'est un DG. S'il faut ouvrir cette parenthèse, rapidement pour te conclure, mais sur le prochain à Pascal Niembo, justement, financement, il y a un service d'intelligence pour à détourner. Non, mais attendez. Que ça soit dans la forme, que ça soit dans le fond, trouvez-vous normal? Quelque chose qui a été prévu dans le budget validé par le conseil d'administration. N'est-ce pas que les équipes budgétisées? Si on demande à Kagame, on veut crucifier un Congolais. Et tout le monde trouve ça normal. Parce que M. Félix Tshisekedi voudrait, en bon terme avec Kagame, il peut sacrifier tout le monde. Il peut céder même notre dignité, avant qu'on Kabila battu notre dignité, et vous trouvez ça normal. Comment l'administration Nabisso pouvait telle accepter qu'un président et un pays à Sengabino Moutou et un administrateur ou à Zakobunda contre la fraude? C'est le Rwanda qui a demandé à M. Félix Tshisekedi. On va crucifier, on va sacrifier tout un Congolais caca pour plaire na Rwanda. C'est quand même grave. Et là, quand ils allaient livrer, ils allaient boire. L'Union dite sacrée, ce qui est au Québec, dans un lien normal, c'était. Ça apparaissait comme une association des malfaiteurs. Ce qui est coup, ça sera pour le bien de la République. Monsieur Félix, c'est qu'au regard, il a donné. Au Pesaki Nananga, il aurait obtenu 7 millions 50 000 voix.
Et puis surtout, tout le monde est formaté au niveau de la centrale électorale. Il y a la MP, le FCC. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est excessivement impopulaire et il a un pouvoir inutile. Ce qui va tout nioso, oh, bah, qu'on a qui n'ayons dit sacré, bah, c'est décidé pour permettre que la République ait avancé. Ça, M. Félix Tshisekedi, moi je veux le suivre. Merci, Jimmy Kitenge, à zo conclure. Ndeko Jacques, j'ai entendu ici Batobalobi que non, les gens ont rejoint. Mais écoutez, c'est pourquoi j'ai dit qu'à un moment de la vie, voilà, oui, il faut tout s'abstenir, tout bien tout éviter route dans la plateau dans la quantité où ils sont négligeables. Les gens qui ne vaut rien en fait dans la scène politique à Congo, les gens qui ont fait l'apologie de la pédophilie, le lot, l'histoire s'est chargée de le rattraper. Ndeko Jacques, quelqu'un qui est élu sous le label PPRD Tikali Kotoya Lungui, et pour le bien officiellement, il fallait que tu aies la langue mini, dans ta langue maternelle pour que tu puisses comprendre. Quantité négligeable. Ndeko Bol, Nayoki Abatoualobi, nous allons dissoudre. Avec quels moyens? Pour dissoudre au Parlement 60 jours après ma députée, on continue. Mais c'est avec quels moyens? La République démocratique du Congo aujourd'hui vous produit 250 millions de dollars le mois. Et 250 millions de dollars, 217 millions de dollars, ils ont un salaire. Il y a une institution, il y a Marion Somboka. Vous ne restez qu'à peine avec 40 millions, 30 à 40 millions de dollars. Il y a cofinancé ceci, cofinancé cela, bah frais de fonctionnaires et autres. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont organisé l'élection d'une manière anticipative. Besoin. Gratuité et enseignement. Vous êtes financé par la Banque mondiale. 500 millions de dollars le mois et l'an pour nous souvenir de la gratuité de l'enseignement. Si vous avez besoin de wapi. Avec cette situation économique et sociale morose, la population a souffert à niveau. Nous sommes l'unique pays au monde. Où a été masqué. Merci. Merci Jimmy et Kitenge et PPRD. Merci Cédric Moudianto, autre vision du Congo, AVC, Union Sacrée. Merci Bolojoa, Leba, Levons-nous et bâtissons na opposition. Voilà, Torozong de la Yo pour un dossier à CEC. Et vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe? Simplement, on ne peut pas se contenter de remise et reprise au Salemi, mais il faut te les dessous des cartes. Et puis, dossier, on a pour replacer Momoura. D'abord, Pascal Yembo, c'était le coordonnateur et l'élite contre la fraude, il y a des minerais à la frontière. Il est tout à fait normal, sauf qu'il y a une sollicitation à ma service. Pour ma service, c'est ça, la moussa, un amour normal. Et puis quelque chose de budgétisé à Bimisambou. Bah, le bac à détournement. Ce qui m'a dit, il ma panne, qui n'est pas bon, tu vois. Et qu'on est comité. Mais où les autres, comment ils ont la traçabilité de tourner. Et pire encore, la notion d'intérim. Quand vous suspendez un DG et qu'il y a un DG, directeur général adjoint, et c'est la fonction mon corps, c'est automatique, il n'y a même pas intérim, il y a une continuité de fonction. Mais quand on dit un directeur provincial, pendant que le DG est là, nous sommes dans quelle république? Ça, j'ai eu des faits. Merci, 21h juste en rediffusion, émission disponible sur YouTube. Merci, au revoir.